Salam et gourmand, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, on va bien, alhamdoulilah. Donc, si tu as des œufs, de la farine et du beurre, cette recette est pour toi. Tu vas réaliser cette tarte aux pommes. C'est la troisième recette que je fais en un mois, mais je te dis que j'ai testé toutes les tartes au monde, c'est trop bon. Donc, pour la réaliser, vous faudra des pommes que vous allez venir découper en tout petits morceaux. Ça, c'est des pommes et des bananes et des poires que j'avais prévu de faire une salade de fruits, mais il manquait des fruits, donc on l'a laissé au frigo jusqu'au lendemain. Donc voilà. J'ai dit au lieu de les jeter, je peux faire une tarte avec. Donc voilà, dans une poêle, vous allez venir mettre 100 g de sucre. Vous allez caraméliser 100 g de sucre blanc ou roux. Utilisez le sucre que vous avez chez vous. Comme je dis, hein, c'est une tarte, vraiment, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup des tartes traditionnelles qu'on a l'habitude de manger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, on caramélise le sucre. Donc après, on va venir ajouter 60 g de beurre. Donc là, on laisse caraméliser un tout petit peu. 100 g de sucre, mais comme je vous ai dit que moi, j'essaie de diminuer le sucre. Au lieu de mettre 100 grammes, je mets 50, ainsi de suite. Comme ça, j'habitue un tout petit peu les enfants à goûter moins de sucre, parce qu'avec tout ce qui se passe, toutes les maladies qu'il y a, mieux vaut. Si on peut éviter dès maintenant, mieux vaut commencer dès maintenant, diminuer tout ce qui est sucre, graisse et tout ce qui va avec. Bref, voilà, là j'ai mis du beurre allégé. Donc, on ne sait pas si c'est vrai, c'est allégé ou pas, donc, mais bon. Donc on a mis le beurre, on va venir mélanger le tout. Après, vous allez venir mettre les pommes que vous avez découpées. Soit vous pouvez garder la peau ou enlever la peau, c'est comme vous voulez. Comme je vous ai dit, moi c'était prévu de faire une salade de fruits la veille, mais on n'avait pas les fruits qu'on voulait. Donc je me suis dit, au lieu de les jeter, mieux vaut faire une tarte. Tout le monde va manger, c'est sûr et certain. Donc on vient, on met les pommes, on va venir ajouter de la cannelle en poudre. Si vous n'aimez pas la cannelle, enlevez, rajoutez le parfum que vous aimez. Mais la tarte aux pommes se marie trop trop bien avec la cannelle. Donc on vient, on mélange le tout jusqu'à ce que les pommes soient bien moues, soient bien un tout petit peu légèrement compotées, pas trop non plus, mais légèrement compotées. Donc on va baisser le feu, on va laisser cuire tout doucement, cuire entre guillemets. Mais je vous dis que si vous faites cette recette, vous allez la faire tout le temps, 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 tout le temps. Elle est comme les chips, on ne peut pas s'en passer. Donc ça, c'est la cannelle que j'ai utilisée. Je les ai achetées dans une épicerie maghrébine. Mais je pense qu'à Auchan, Leclerc et Carrefour, ils en ont aussi, Lidl, un peu partout, on trouve de la cannelle en poudre. Donc on va laisser cuire tout doucement. Et dans une autre bassine, vous allez venir mettre un œuf et 100 g de sucre. Sucre semoule. On va venir battre légèrement. Vous pouvez utiliser soit le batteur électrique ou le fouet manuel. Donc, on vient, on mélange le tout. On va rajouter 100 g de beurre fondu. Mieux vaut bien, bien, bien faire fondre le beurre. Il faut bien fondre le beurre. Donc voilà, on va venir ajouter 280 g de farine et un demi-sachet de levure chimique, 5 g de levure chimique. Donc j'ai mis 200 g de farine à tout usage. J'ai mis un demi-sachet de levure chimique, 5 g. Il faudra rajouter une pincée de sel. Vous savez que dans les pâtisseries françaises, on rajoute toujours une pincée de sel. Avant, je trouvais ça bizarre. Je me disais, on met du sel, ça ne va pas être salé. Pourtant, c'est. Mais mieux vaut en mettre un tout petit peu. Mais des fois, moi, j'oublie. Des fois, je mets. Des fois, j'oublie. Bref. Comme on n'a pas l'habitude d'en mettre, on oublie. Donc, on vient, on mélange le tout un tout petit peu avec une maryse. Et on va travailler la pâte avec les mains. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser le robot pour ça. C'est que 280 g de pâte, ça passe. C'est pas trop fatigant non plus.
À part que si vous avez des petits problèmes aux doigts, vous pouvez utiliser le robot. Donc là, on va transvaser la pâte sur le plan de travail. On va venir la travailler vite fait. La pâte doit être bien lisse, bien homogène, facile à travailler en fait. Mais le beurre, mieux vaut le faire bien bien fondre, il faut que ça soit bien liquide. Donc là, je travaille un tout petit peu, pas trop non plus. Donc regardez ce que ça donne. C'est une pâte sablée en fait, entre guillemets. Donc là, c'est bon. Je vais découper un tout petit peu, un petit bout que je vais mettre de côté. Je vais filmer et le laisser au congélo, histoire que ça durcisse un tout petit peu. Donc là, c'est bon, j'ai ma pâte. Je vais venir l'étaler avec la main, avec la paume de la main. Ou sinon, vous pouvez le faire aussi au rouleau. À pâtisserie, mais il ne faut pas rajouter de la farine du tout. Donc là, je vais filmer le petit bout là que j'avais dit que j'allais le mettre au congélo. On en aura besoin pour tout à l'heure, pour la finition en fait. Si on peut dire ça comme ça. La finition. Donc voilà, on le met au congélo, pas au frigo, au congélateur. Histoire que ça durcisse un tout petit peu. Donc là, c'est bon, j'ai ma pâte. J'ai déjà le moule. Le moule à tarte, le seul que j'utilise tout le temps. Je vais le huiler légèrement. Je vais tapisser du papier cuisson. Et après, je vais étaler ma pâte avec les mains ou le dos d'un verre aussi. Ah, il faut pas trop non plus exagérer avec l'huile. Hein. L'huile, il devient trop cher là maintenant. Faut pas jouer avec. Hein. Ça coûte trop cher maintenant, même l'huile de colza. Donc là, on vient, on badigeonne un tout petit peu d'huile. On va poser le papier cuisson dessus. Je mets un peu d'huile. Hein. Comme c'était dans le pinceau, je mets un peu. Je mets un tout petit peu sur tous les côtés. Après, je vais venir étaler la pâte. Comme je vous ai dit, vous pouvez le faire avec un rouleau à pâtisserie. Donc, mais comme ça aussi, ça marche. Vous pouvez utiliser le dos d'un verre pour bien... Voilà. Pour bien l'aplatir. Donc là, c'est bon. On a bien étalé la pâte. Regardez ce que ça a donné. Je pense que j'ai laissé un gros bout, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est bon. On colle un tout petit peu, vite fait. On va venir mettre nos pommes. Les pommes qu'on a caramélisées tout à l'heure. Comme je vous ai dit, vous pouvez soit découper avec la peau ou enlever la peau, c'est comme vous voulez. De toute façon, les pommes, on les mange avec la peau, donc ça ne change pas grand-chose. Parce que des fois, les gens demandent, ah, mais c'est fait avec la peau. Mais bien sûr, la pomme, tu la manges avec la peau. Donc voilà, j'ai mis les pommes caramélisées. On va étaler sur toute la pâte, la surface de la pâte. Ça sent trop bon, la cannelle sent trop, trop bon. Donc là, j'étale dans toute la pâte. Voilà, regardez ce que ça donne. Moi, j'adore la cannelle, ça sent trop, trop bon. Voilà, et après, on va venir prendre la pâte là qu'on a mis tout à l'heure, qu'on avait laissé au congélo, mais ça n'a pas eu le temps de bien prendre. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va venir râper. Comme quand on râpe du fromage, on va le râper dessus. Regardez comme ça, de cette façon. Mais c'est mieux quand c'est bien dur, ça, c'est facile à travailler. Mais là, c'était trop mou, c'était un tout petit peu compliqué. Ça glissait de partout. Mais bon, j'ai réussi à faire. Mashallah, alhamdulillah. Regardez ce que ça donne. Donc voilà, on râpe la pâte. On met tout sur toute la tarte. Et après, le four, il est déjà préchauffé à 180 degrés. On va enfourner pour 25 minutes à peu près. Et comme je dis tout le temps, tout dépend de votre gazinière. Regardez ce que ça donne. Et voilà, après 25 minutes de cuisson,
La tarte, c'est bon. Elle est prête à être dégustée. Nous, on l'aime bien déguster tiède. Regardez ce que ça donne, mashallah. Une belle couleur. C'était trop bon et c'était aussi légèrement sucré. Comme je vous ai dit, c'est vrai au tout début, c'est pas bon quand on est trop habitué au sucre. Mais après, ça, on sent pas. Mieux vaut diminuer un tout petit peu le sucre parce qu'avec tout ce qu'on mange là, avec tous les donuts, les cupcakes, les je ne sais pas quoi, les je ne sais pas quoi, on va tous finir diabétiques. Donc voilà, regardez ce que ça donne, mashallah. Salam alaikum.